Vincent. À votre emplacement. Les citoyens, à votre emplacement. Lieutenant Amadou Diao, au nom du ministre français de la Défense nationale, nous décernons à votre père, le colonel Salif Diao, la médaille de la Défense nationale échelon argent, agrafe, gendarmerie nationale. Chef d'escadron Mamadi Konaté, au nom du ministre français de la Défense, nous vous décernons la médaille d'argent de la Défense nationale. Sous-officiers, officiers et militaires de la gendarmerie, de vous exprimer toute notre reconnaissance, mais de vous confier aussi ce projet pour que vous ayez un œil particulier sur cela, parce qu'il tient à cœur non seulement au général Baldé, mais à toute l'institution de la gendarmerie nationale. Stagiaire, ce jour concrétise votre envie, votre acharnement à recevoir et à acquérir les connaissances pour lesquelles vous êtes engagé dans l'une et l'autre des formations. C'est physiquement et intellectuellement que vous êtes investi afin de mieux appréhender vos fonctions actuelles ou futures. Vous êtes nombreux aujourd'hui à recevoir la reconnaissance de vos chefs au milieu de ceux, élèves et formateurs, qui vous ont accompagné lors de vos formations respectives. À travers vos résultats, j'ai pu mesurer votre implication et votre détermination. Ainsi, vous avez pu constater que rien n'est impossible à condition de se donner les moyens de sa réussite. Chacun a fait les efforts nécessaires pour développer les savoir-faire et son savoir-être. Il n'est de bon gendarme que celui qui sait se remettre en cause et cherche à acquérir des connaissances nouvelles. Celui qui ne veut pas apprendre régresse et fait régresser l'institution. Dans sa volonté affichée de faire évoluer la gendarmerie, le haut commandant de la gendarmerie, le général de corps d'armée Ibrahim Abalmé, s'appuie largement sur ses écoles. Aujourd'hui, avec ses centres de formation et de bons instructeurs,
La gendarmerie dispose d'outils de formation adaptés et conformes aux attentes des unités de terrain ou des services. Concrètement, les nouvelles formations de directeur d'enquête, de photographe judiciaire, de balistique sont la preuve d'une adaptation réelle à l'évolution des lois et aux besoins de l'institution. Dans un autre domaine, le monitorat en technique d'intervention professionnelle a vu le jour et ambitionne de former la totalité des personnels aux fondamentaux pour plus de sécurité pour nos gendarmes, mais également pour nos citoyens guinéens. Permettez-moi à nouveau de m'adresser aux stagiaires qui reçoivent aujourd'hui leurs diplômes et certificats, parce qu'ils sont à l'honneur. Soyez fiers d'arborer ces brevets, de montrer ces diplômes et attestations. Mais lorsque vous franchirez les portes de cette école, vous devrez impérativement mettre en application toutes ces connaissances et ces préceptes. Devenir des référents et des animateurs dans vos unités. N'oubliez pas que la gendarmerie a besoin de professionnels qualifiés, faire valoir d'une réforme engagée voilà plusieurs années par le général de corps d'armée Ibrahima Baldé et appuyée par l'expertise de la coopération. Ce moment est également tout indiqué pour remercier le directeur de l'école et ses cadres pour la tenue de l'école et la qualité des formations délivrées. Il y a quelques minutes, nous avons décoré deux militaires méritants. La médaille de la Défense nationale récompense les services particulièrement honorables rendus par militaires français et étrangers. Le chef d'escadron Bonnel et moi-même sommes fiers d'avoir rendu cet hommage à deux officiers qui ont démontré de belles qualités humaines et professionnelles au service de nos pays. Le colonel Salih Diao, plus qu'un frère d'armes, était un ami qui mettait toute son énergie au service de la gendarmerie. Même si je n'ai pas pu lui épingler cette médaille, je tenais à ce que sa famille, au travers de son fils, puisse la détenir comme preuve de son abnégation. Il nous manque. Vive la gendarmerie guinéenne, vive la coopération française. Je vous remercie. Merci, Poté. Mesdames, Messieurs les invités, en technique d'intervention, chef d'escadron Moussa Gumessi, moyenne 15-38, moyenne très bien. Mention très bien. Son diplôme lui sera remis par Monsieur le chef de cabinet, représentant Son Excellence, Monsieur le ministre d'État chargé des affaires présidentielles. Madame. Ah, mon lieutenant. C'est les parents de la team. C'est mon pareil. Sors l'unité. Par colonel Mawa, représentante du chef d'état-major général des armées. Diplôme du directeur d'enquête, première promotion. Le premier, c'est Marussard de Logiche, Ousmane Ndiallo, moyenne 16,78, mention très bien. Son diplôme lui sera remis par Monsieur l'attaché militaire de l'ambassade du Sénégal en Guinée. Promotion du directeur d'enquête. Le premier, Marouza de Logichef, Diara Kourouma, moyenne 16,01, mention très bien. Son diplôme lui sera remis par l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Guinée. Il faut préciser
que c'est à partir de la troisième promotion du cours des directeurs d'enquête que nous avons commencé à recevoir au niveau de l'École nationale de la gendarmerie de Somfonia nos frères policiers. Donc depuis cette troisième promotion jusqu'à nos jours, ils continuent de venir et de bénéficier de ce cours. Un cours qui est particulièrement important si vous savez, vous mesurez la portée des menaces qui nous entourent actuellement au sein de notre sous-région. Le sous-général Moussa Lampé Makonde, Kassawura Konde, Jibami Konde, Serdouria Konde, faites brigade d'intervention rapide avec agence pour terre à terre. Délégué en Indonésie en 1939 pour assister à la Deuxième Guerre mondiale, en compagnie du caporal Jules Debadé, le père du général du corps d'armée Ibrahim Abadé, co-commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Ministre délégué chargé pour transporter le vigueur le cassé du professeur. Le sous-conseiller du ministre chargé des affaires présidentielles et de la défense nationale, docteur de l'administration Mohamed Djané. Mon attestation pour le général du corps d'armée, pour l'encouragement. Satisfaction, pardon, excusez-moi. Dans la formation, toujours. Ouais. En promotion pour exprimer notre profonde gratitude à l'endroit du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire et à son équipe. Et le sentiment de satisfaction qui nous anime en ce jour solennel marquant la cérémonie de remise de diplôme à l'école de gendarmerie nationale de Somfonia. En effet, durant ces périodes de formation, nous avons essentiellement bénéficié de l'enseignement basé sur les matières ci-après. Police administrative, police judiciaire, maintien d'ordre public, armement, topographie, tactique, éthique et déontologie, technique d'identification criminelle, relations avec la presse, les autorités administratives et judiciaires, intervention promotion. J'en passe. Par la qualité des programmes de formation et la pédagogie adoptée, l'assimilation a été effective. Ainsi, ces différentes notions acquises nous ont permis d'agir en toute efficacité et professionnalisme le respect strict des lois et règlements de la République. C'est pourquoi nous, récipiendaires, nous assurons de notre total engagement et disponibilité à accomplir fidèlement nos différentes missions régaliennes de l'État. En effet, nous ne saurons terminer cette intervention sans adresser nos sincères remerciements à M. le Général du Corps d'Armée, Ibrahim Baldé, co-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, commandeur de l'Ordre national de mérite, pour son souci constant dans le cadre de la formation et de la qualification du personnel gendarme. Nos remerciements vont également à l'endroit de la coopération française qui ne cesse d'appuyer notre institution en termes de formation. Aussi, toute notre gratitude à la direction de l'école et à celle des stages, sans oublier les instructeurs et encadreurs qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de la formation dans les écoles de gendarmerie. Vive la formation! Je vous remercie. Mon colonel, représentant, le général, chef d'état-major général des armées. Monsieur les représentants des ambassades de France et des États-Unis, en passant par celui du Sénégal, messieurs les officiers, chers invités, au nom du personnel gendarme et à mon nom personnel, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à l'École nationale de gendarmerie de Somfonia
pour assister à cette importante cérémonie qui marque la fin d'une série de formations, à savoir deux promotions de commandant d'unité dont l'objectif est de préparer les officiers de commandement opérationnel d'une compagnie de gendarmerie territoriale. Deux promotions du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie ayant pour but la formation des futurs commandants de brigade des unités territoriales d'une part, des commandants de module pour la gendarmerie mobile d'autre part. Cette formation vient en complément des formations et des cours de perfectionnement des sous-officiers de la gendarmerie. Quatre promotions du cours de directeur d'enquête visant à former des enquêteurs de haut niveau, gendarmes et policiers capables de constituer, orienter et diriger une cellule chargée de diligenter une enquête judiciaire complexe et connexe sous la direction des magistrats. Trois promotions du cours d'officier de police judiciaire destinées à doter la gendarmerie de l'administration en général d'auxiliaires de justice hautement qualifiés, capables d'apporter avec professionnalisme des réponses efficaces dans le domaine de la police judiciaire, administrative et militaire. Une promotion en photographie judiciaire dont l'objectif vise à former une certaine catégorie du personnel gendarme et policier à la technique d'identification criminelle à travers les prises de vue photographiques permettant de ficher toute personne en conflit avec la loi faisant l'objet d'enquêtes judiciaires. Une promotion de moniteur en technique d'intervention professionnelle destinée à la mise en place des noyaux de formateurs qualifiés dans ce domaine, en mesure de former d'autres moniteurs capables de démultiplier la formation à tout le personnel gendarme. Une promotion, enfin, en analyse balistique visant à doter le personnel gendarme en technique d'analyse de l'ensemble des phénomènes liés à l'usage des armes à feu et des munitions dans le cadre de l'instruction et des enquêtes judiciaires. Ces différentes formations dont viennent de bénéficier 461 gendarmes et 22 policiers répondent aux impératifs de qualification du personnel des forces de sécurité à s'approprier de nouvelles techniques professionnelles ainsi que du cadre légal en vigueur en vue de l'accomplissement de leur mission régalienne. Au-delà de ces promotions qui vont rejoindre leurs unités respectives, vous conviendrez qu'il est nécessaire d'en former davantage pour mieux répondre avec efficacité à notre mission de sécurisation du territoire, des personnes, des biens et d'application de la loi. Par ailleurs, il est également impérieux pour notre institution de disposer de personnel frais et suffisant avec des matériels et équipements adéquats pour relever les défis sécuritaires qui se posent à notre pays. Il est important de souligner que ces formations qui viennent de s'achever sont en adéquation avec le programme de réforme du secteur de sécurité et la promotion des droits humains contenu dans le projet de société de son excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Mesdames et Messieurs, chers officiers, suite aux résultats concluants de ces différentes formations, je voudrais, à travers le commandement des écoles, remercier les directions des écoles de gendarmerie, les instructeurs, encadreurs
et intervenants extérieurs pour leur contribution à la réussite de ces différents stages. Je tiens à remercier sincèrement et du fond du cœur la coopération française à travers mon conseiller, le chef d'escadron Patrice Placadec et le chef d'escadron Jean-Henri Bonnel, conseiller aux écoles, pour leur soutien inlassable à la qualification de la gendarmerie guinéenne. Quant à vous, stagiaires récipiendaires, je vous rappelle, au respect de l'éthique et de la déontologie, ainsi qu'à l'application stricte des compétences acquises au bénéfice des citoyens et de l'État, que la fermeté, la rigueur et l'impartialité vous habitent en tout temps et en toutes circonstances dans l'application des textes juridiques et réglementaires. De même, au respect à la fois des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui s'impose à nous. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais adresser mes remerciements au ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, pour sa ferme volonté d'appuyer le processus de qualification des forces de défense et de sécurité initié par le président de la République, chef suprême des armées, le professeur Alpha Condé, que je considère comme étant le pionnier de la réforme. Je vous remercie. Fermez le banc. Monsieur l'inspecteur général des forces armées guinéennes, Excellences, messieurs les ambassadeurs, messieurs les attachés de défense, messieurs les représentants des différents organismes de commandement, officiers, sous-officiers et militaires de rang. Mesdames et messieurs, à vos grades et fonctions, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, je commencerai cette allocution par remercier Son Excellence Monsieur le ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, de l'honneur qu'il m'est fait de présider à son nom cette cérémonie de fin de stage des différentes formations des personnels de la gendarmerie nationale. Une satisfaction morale pour le ministre d'État, Dr Diané, dans la mesure où ce n'est pas la première fois qu'il préside ce genre d'événement à la gendarmerie nationale depuis sa nomination à la tête du département de la défense nationale. Ceci traduit l'effort de formation qui s'est accru depuis un certain temps au sein